Et bonjour et bienvenue dans Casual Suspect. Oui, cette semaine on commence un peu plus tôt. Désolé, hein. On était prêts, tout C'est le ma monde était faute, là. c'est à cause de moi, mes excuses, pour vrai, Mais non, mais c'est pas. vraiment désolé. Ne t'excuse pas, s'il te plaît. Tu es l'invité, tu as le droit d'arriver un petit peu quand tu veux. Il n'y a aucun problème. Alors, ben, je vais quand même. On attend encore une personne qui doit nous rejoindre. Donc, du coup, je vous fais pas forcément la presse habituelle, mais on va quand même la faire parce que j'ai envie de présenter Coca comme j'avais envie de le faire. Donc, on y va, on lance le truc. Alors, ce soir, on reçoit Coca, streamer Hearthstone et Diablo 3, principalement classé dans le tournoi de Madrid Hearthstone, d'ailleurs récemment, il me semble, hein. Donc, bienvenue, Coca. Merci. Et pour ce direct, je ne serai pas seul parce que sinon ce serait une conversation à deux et ça serait quand même triste, vous allez vous emmerder. Donc je serai entouré de mes amis habituels, c'est-à-dire de Lolo alias Rorty, le tireur embusqué du Sud. Salut Lolo. Salut. De Salut à Didier tous. alias Elf Pinard, le seigneur d'Apexland qui n'est jamais lésé par son réseau, et seigneur AI bien sûr. Salut Didier. Salut les gars, ça va? Tranquille. De Roro qui n'est pas là. De Nerox qui n'est pas encore là. Et de Tom, alias le Space Walker, l'arpenteur de la galaxie qu'on a pu voir œuvrer à l'instant d'ailleurs. Salut Tom, bienvenue. Salut, salut les gars. Bravo Tom. Donc ce soir, on va être sous le label un petit peu du stream pro, puisqu'on reçoit quelqu'un qui fait beaucoup de tournois. Qui joue donc, comme je l'ai dit, plutôt principalement à Diablo 3 et à Hearthstone. Donc je pense que ses spectateurs le connaissent, mais les nôtres peut-être pas trop. Donc Coca, est-ce que tu veux te présenter en deux, trois mots, peut-être, rapidement? Ouais, il n'y a pas de problème. Écoute, mon nom c'est Danny Marcotte. Ça me fait plaisir de me présenter sous mon vrai nom parce que je suis streamer depuis très peu de temps. Malgré que ces deux jeux-là qui ont été mentionnés dans les dernières secondes, pour moi, ça fait de nombreuses années que j'y joue. Mais au niveau du streaming, c'est quand même assez récent pour moi. Ça fait à peu près 4 mois que j'ai commencé le streaming. Je pourrais dire presque à temps plein, parce que je stream environ 24 à 30 heures par semaine, mais en arrière de la caméra, il y a autant de temps qui est déployé pour le stream. C'est assez D'accord. incroyable. Ah oui. D'accord. Donc tu passes énormément de temps sur le stream. Donc effectivement, tu te donnes beaucoup de temps. Ben, il y a tellement de choses à apprendre, Nordique, là, c'est assez incroyable. Non, non, mais c'est bien de le préciser, t'as raison. Puis en même temps, ça se sent J'imagine. parce que tu fais souvent des longs streams. Vas-y, Lolo, excuse-moi. Merci. Non, non, j'imagine qu'il y a tellement de choses à apprendre sur le stream. Il Entre y a tout du le boulot truc là-dessus, DS, hein. les réglages et tout ça, il y a du boulot, ouais. Ah ouais, c'est clair, Ah, tout à fait. définitivement. C'est compliqué, et puis en plus c'est compliqué à prendre en main toutes ces petites technologies, parce que c'est beaucoup de choses mises bout à bout, donc faut gérer des sites, faut gérer des incorporations Ouais, puis tu d'images, bref. sais, moi je suis pas de la génération de la vingtaine, hein. Tu sais, j'ai 34 ans tout récemment. Fait que pour moi, c'est. Je pense que j'ai une béquille de plus au niveau du stream. Faut que j'apprenne beaucoup de choses. T'es un gamin. Ah oui, parce que là, on a notre doyen qui est là ce soir, qui s'appelle au du nom de Elf Pinard, qui a Qui donc a 51 ans mardi 94 ans. prochain. Ok, pardon. Non. Non, il est pas si vieux que ça. Mais bon, après, ça arrivera forcément. Ben, je le souhaite, hein, j'y souhaite vraiment. Alors, du coup, on va démarrer cette émission quand même, même si on est un petit peu en avance. Je sais qu'en général, on se fait un petit tour de table. Donc, on va partir là-dessus. Lolo, tu avais quelque chose à nous conseiller, je crois, cette semaine. Ouais, un petit coup de cœur de la semaine, ouais. Alors j'ai profité, il y avait une petite promotion sur SnowRunner. Donc moi j'avais déjà essayé le MudRunner juste avant. Et je me suis dit, enfin juste avant, il y a quelques mois de ça. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais le prendre, je vais l'essayer. Et franchement, super quoi. Très bon jeu. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit jeu de franchissement en fait. Avec des camions, des 4x4, il faut faire des livraisons, il y a des petites Faut missions assez sympathiques. s'embourber, faut se débourber. Ouais, c'est ça, exactement. C'est très fun. Faut se coller, non, c'est assez cool. Bon, ça se joue en coop, donc en coop à 4, bon, solo aussi. Et voilà, c'est assez, pour ceux qui aiment bien la conduite un peu délicate, on va dire, c'est vraiment pas mal. Je trouve Ouais, alors ils ont vraiment fait un bon truc. on va montrer juste quelques images rapidement d'ailleurs de SnowRunner pour que tout le monde voit bien ce que ça donne. Hop. Bonjour à tous et bienvenue. Êtes-vous prêts? Et hop. Et parti. paf. Et magie. Magie du direct. C'est pas du tout mon délire. Re Ah. Hey Re-re-re. Salut Abonnez à ça. Coca.
Cry. Tu vois, c'est l'expérience Far Cry, mais en mode simulation. Remarquez cette tour de guet devant vous, ces icônes vous servent à détecter les zones d'objectifs près de vous avec lesquelles vous pouvez interagir. Très bien. Bon, pour l'instant, c'est tranquille, hein. Pas de soucis. Tout est vraiment bien modélisé. Bon, l'eau est pas non plus terrible, mais ils ont super bien fait la boue et tout On a réussi à montrer quelques images. Ah, on a reperdu Roro. Excusez-moi, pardon. Ah, le revoilà. Est-ce que c'est écrit Savage sur la plaque d'immatriculation? Oui, c'est marqué Savage, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais, ouais. C'est normal, cool. Eh, t'as vu, hein, ça a l'air fun ou pas? Ben, écoute, moi, je suis un fan d'automobile. Hein. J'ai travaillé là-dedans pendant une grosse période de ma vie. Fait que pour moi, écoute, oui, ça a l'air cool. D'accord, ok. Super comme jeu. Ben, je sais que Lolo adore. Voilà, on a d'autres adeptes. Du coup, est-ce que. Alors, je vous coupe deux petites secondes. Nerox, est-ce que tu veux mettre la caméra peut-être? Non, pas ce soir. Pas ce soir, d'accord. Non, c'est pas grave. Du coup, on peut continuer. Il est pas maquillé. Il est pas maquillé. Désolé, on a commencé un tout petit peu plus tôt parce qu'il y a Coca qui est arrivé un petit peu tôt. Puis on s'est dit autant démarrer quand il y a du monde. Et donc, du coup, je vais finir de vous présenter quand même. On a aussi donc Nerox, alias Nerox, le sniper de la vanne, toujours bien placé, même si des fois il y a des ratés. Salut Nerox. Et Roro, il est là? Il est toujours pas là. Hein. Il est toujours pas là, Roro? Ah, c'est bien dommage. Oh. Bon, on va se passer de Roro, on l'aura qu'en vocal. Donc, du coup, il y a. Le problème, c'est. Non, c'est toi, Nerox, qui voulais nous parler d'un jeu aussi ce soir. Tu m'avais dit que tu voulais nous parler d'un ouais, truc. Ouais, c'était. Ah, Satisfactory. Ah. D'accord. Bon petit jeu bien sympa. On connaît. J'ai bien accroché. Et c'était, mais super. Ouais, d'accord. T'as l'air d'avoir adoré. Ça se sent dans ton discours. Ah ouais, on sent que ouais. t'as kiffé grave. T'as l'air super emballé, quoi. On se dit, tiens, il est chaud, lui. Lui va nous vendre... Ah, il est chaud patate, attends. Ouais, il va nous le vendre aux petits oignons. Ah ouais. Le temps n'est pas dans les tensions. Vends-le comme du rêve, vas-y. Donc, j'ai regardé pendant un moment, au tout début du jeu, j'ai regardé beaucoup de lives de personnes qui streamaient dessus. Ça m'a grave hypé de ouf, mais vraiment de ouf. Et les seuls bémols qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas assez de choses dans le jeu. Et donc après, je pense qu'ils... Je sais pas où ils s'en sont arrêtés, mais je pense qu'ils ont fait mieux que ça. Je pense qu'ils ont fait... ils ont rajouté beaucoup plus de choses que ça. D'accord. Mais okay. Après, j'y ai pas joué énormément. J'ai joué genre une demi-heure, je crois. Et franchement, ça m'a hypé de ouf. Donc, voilà. Il est très bon, hein, il est très prenant. Hein. Ouais, de ouf. Non. Moi, j'ai bien kiffé. On l'avait tous testé, effectivement, il n'y a pas si longtemps. Et on avait pas mal accroché au début. Alors, moi, je ne suis pas fan des constructions, donc au bout d'un moment, je décroche forcément. Mais le principe du jeu, il est excellent. Hein, vraiment, rien à dire. Ouais. Il est bien fait, en plus. Hein, très réaliste. Quoi. Enfin, ouais. Pas réaliste, mais bien fait. Quoi. Ouais, je trouve qu'il est bien fait. Okay. Graphiquement parlant, je parle. Ouais. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il est joli. Il est joli. Il donne envie. Il a pas trop de bugs en plus. On peut le signaler aussi. Il est de 2000, il me semble, de 2017 ce jeu, il me semble, non? Où il est de... C'est ça, 2017. Ouais, 2017, ouais. Ok. Ouais, il est encore en développement d'ailleurs, ouais. Et encore. Ouais. Comme la majeure partie des jeux auxquels on joue, de toute façon. Hein. Ouais. pas forcément. SnowRunner, par exemple. SnowRunner, oui, voilà l'exception qui confirme un peu la règle. Tu as joué, toi, Coca, à Satisfactory? Non, j'ai jamais touché. C'est un jeu que je connais pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ouais, c'est vraiment de la construction. Vraiment zéro. D'accord. Pas de souci. Ok. Du coup, on va tout de suite passer au débat qui nous intéresse ce soir, puisqu'apparemment, on a fait notre petit tour de table et qu'on a encore de l'avance. Mais c'est très bien parce qu'on a prévu un petit jeu pour la fin. Donc, en fait, c'est cool si on est en avance. Donc, ce soir, comme je vous le disais, on va parler du fait d'être père et gamer ou le fait de gérer les contraintes au quotidien, même si on n'est pas forcément père, mais qu'on a d'autres contraintes. Voilà. Ça, c'est ma réalité. Hein. Ouais, ta réalité. Tu vis, mon pauvre ami. Ah ouais, totalement. Parce que en priorité, c'est sûr que les enfants, c'est ma priorité. De pouvoir les éduquer, de pouvoir les accompagner, puis qu'il y ait un avenir prometteur, pour moi, c'est essentiel. De passer un maximum de temps avec eux, puis par la suite, après ça, passer du temps pour moi, avec ma communauté. Mais tu sais, pour moi, c'est un nouveau travail. Hein. Je le mentionnais plus tôt, ça fait seulement 4 mois que je suis streamer. Puis j'y tiens, hein. C'est important pour moi. Puis c'est le fun parce que ma famille me soutient à 100% à travers ça.
Puis c'est vraiment une espèce de complicité. Parce que, premièrement, il faut que les enfants soient bien, il faut qu'ils puissent manger, il faut qu'ils puissent être en sécurité à la maison. Mais c'est pas tout, hein. Tu sais, il faut qu'ils puissent aussi avoir des bonnes études, être accompagnés à travers chaque pas qu'ils vont faire. Puis pour moi, c'est la priorité. Ça va toujours l'être, en fait. Il faut que ça le soit, là. C'est l'avenir. Mmh. Ben, t'as raison, c'est vrai qu'il faut les préserver. Je suis d'accord avec toi. Ben oui. D'accord. Et puis, il faut surtout s'en occuper, parce que après, si on fait que du stream, de toute façon, si on a des enfants, c'est pas forcément... Faut leur enseigner l'image que ça véhicule. Puis, hey, écoute, j'ai mon plus vieux qui aimerait ça, pouvoir streamer, puis il faut que j'y mette des stops, il faut que je le break un petit peu là-dedans, parce que sinon, il serait devant la caméra. Il a quel âge, son plus vieux? Il a 6 ans, il est quand même très jeune encore. Là. Fait, je peux pas lui permettre il comprend pas. Là. C'est quelque chose pour moi qui est impensable de le mettre devant les spotlights tout de suite à cet âge-là. Moi, ce que j'aime, c'est que quand ils sont plus vieux et que tu peux jouer avec eux. Oui, ben puis c'est important. Je veux dire, ça a fait partie de mon éducation, les jeux vidéo. Sinon, je serais pas ici devant vous aujourd'hui. Et là, c'est des kiffs, mais terribles. Moi, j'ai passé du temps avec Mathéo sur Black Ops 2. Mais à rigoler, quoi. Des moments que tu passeras pas à côté. T'as que là où tu peux passer ces moments-là, tu vois ce que je veux dire? Incroyable la complicité qu'on peut avoir avec nos petits. Puis eux autres, ils trippent autant que nous, je veux dire. C'est un moment spécial à chaque fois pour eux. Puis ils vont s'en rappeler toute leur vie. Moi, je me rappelle, là, dès mon jeune âge, premièrement, je vis d'une famille reconstituée. Mais pas reconstituée, mais séparée. Puis écoutez. Dès mon jeune âge, je jouais à Diablo 1, Diablo 2 avec mon papa. Là. Ça faisait partie des habitudes jeune, de vie. D'accord. Ah, tout jeune. Ah oui, ouais, tout à fait. Là. Yo. Ça, c'est... Salut Roro. Salut Roro. Bienvenue. Pile à l'heure. C'est par-ci qu'on arrive. Impeccable. Timing parfait. Si t'es réalisateur, c'est bon, t'es dans les temps. C'est parfait. On va attendre, c'est bon. Voilà. Donc, du coup. Bienvenue à toi. Roro. Oh, on commence à 18h30. Alors, c'est Roro, il y a ce... Bah, à tout à l'heure, alors. C'est donc je vous le présente aussi quand même à l'occasion, c'est Roro alias Rolandinho, le buteur émérite du groupe et amateur de la nature virtuelle. D'ailleurs, il s'est perdu en route. Salut Roro, bienvenue à toi. Voilà. Namasté tout le monde. Prends ta place. Namasté tout le monde. Alors, on était en train de parler effectivement du fait d'être donc père de famille et d'être streamer plutôt que d'être plus gamer. D'ailleurs, c'était plutôt streamer qu'on ciblait là. Ouais, et du fait de tempérer ses enfants par rapport au fait de devenir streamer ou pas. Donc, t'as peut-être un. Ben oui, parce qu'eux autres, ils veulent emboîter le pas, là. Mais c'est pas une carrière facile, là. C'est pas quelque chose qui est, premièrement, qui est bien vu. Parce que dire qu'on gagne sa vie en étant streamer avec si peu de followers, tu sais, quand on commence dans la vie, il faut commencer quelque part quand même. Malgré que c'est un rêve de jeunesse que j'avais, qui date de très loin, là. Tu sais, j'aurais aimé ça faire ça. J'avais jamais emboîté le pas, mais je peux pas permettre à mes enfants de se dire qu'ils vont faire ça de leur vie, parce que même moi, je gagne pas ma vie avec ça. Là. Je veux qu'il y ait une belle avenir, vous comprenez? Mmh. Mais t'as raison, c'est ce qui est le mieux, puis, je pense. Que même si un jour la hype redescend, tu fais quoi de ta vie, quoi, je veux dire. Donc, vaut mieux qu'ils aient quelque chose dans les mains, c'est clair. Ah ouais, définitivement. Les études sont super importantes. Là. Il faut qu'ils puissent... Ouais, le stream, ça peut pas être un avenir, effectivement. Ouais. Moi, j'ai eu le même problème avec mon neveu récemment. Mon frère a un fils, mon neveu, donc. Et qui commençait à lui le tanner par rapport à Fortnite pour faire énormément de live. Et mon frère a mis la hola, il m'a demandé mon point de vue, parce que comme on fait un peu de direct, tout ça, et je lui ai dit effectivement la même chose que tu viens de nous parler, c'est qu'il faut d'abord s'assurer un avenir, parce que c'est pas un avenir. Ouais. Il faut avoir un vrai métier dans les mains le jour où, voilà. Moi, je pense tout à fait, oui, c'est la bonne façon de voir les choses. Parce que si on dit aux gamins, c'est bon, prenez ça et faites votre avenir avec ça, le jour où ils tombent, ils vont tomber de haut, quoi. Voilà, ben, premièrement, il faut être là pour les supporter et être capable de leur dire que la vie n'est pas nécessairement rose. Il faut travailler fort pour mériter ce qu'on a dans la vie. Là. C'est pas donné à tout le monde de réussir dans ce domaine-là, puis il y a très peu de personnes qui vont réussir. C'est sûr que comme rêve d'enfant, j'espère, puis un jour, je me vois à cet endroit-là. Mais ça va demander beaucoup plus d'efforts que présentement. Là. Puis il y a des âges où ça demande plus. Tu as moins de temps pour streamer. Tu as moins de temps. Après, tu es plus libre en fonction de l'âge du petit aussi. Oui, puis eux vont grandir avec peut-être d'autres passions à travers ça. Là. Il faut pas que ça soit la seule passion. Ah ben non, c'est l'éducation. Tu l'éduques. Tu l'éduques avec des... Moi, je pense...
j'aimerais poser la question à vous sept qui est devant moi. Est-ce que vous avez des enfants? Puis est-ce que vous avez déjà joué avec vos enfants à des jeux vidéo ou même peut-être un peu plus loin que ça? De mon côté. Ouais. Non, moi, j'en ai deux. Ouais. Ah, Didier en a deux. Moi, j'en ai pas non plus. Voilà. Et toi, t'en moi, as? Moi, j'en ai deux. Et, Ouais. Moi, j'en ai une. T'en as une, d'accord. J'ai pas entendu, désolé. Ouais, excusez. Et... Puis est-ce, non, que vous, est-ce que vous jouez avec vos enfants? Est-ce que vous passez du temps à jouer à des jeux vidéo avec eux? Ou eux autres, ils n'aiment pas ça. Là. Ils sont pas passionnés par ça. Ben, si la mienne, elle aime. Ouais, ouais. Ah oui? Hey, je pense que ça, c'est une question, effectivement, où tout le monde va te dire oui, parce que la culture des jeux vidéo, maintenant, est tellement ancrée dans la culture. C'est vrai. Ah non, t'as 100% d'accord. Mais non, mais t'as raison. Ça se pose. Ça se pose comme question, tu as raison. Pardon. Moi, avec mon grand, je suis trop un noob. il veut pas jouer avec moi, il a 20 ans. Didier, c'est il se fait dominer par le gamin. Et avec dans le jeu, théo, hein, on a joué. On a passé à Black Ops 2, on a passé du bon temps. Après, on a essayé Fortnite, mais on n'a pas la même philosophie du jeu. Donc, on passe notre vie à s'engueuler. Mais c'est marrant. Ah, ben, c'est correct, ça fait une belle complicité. Tant que ça reste dans la bonne humeur. Là. Mais c'est ça l'idée, voilà. Tout à fait. Et Tom, tu peux aussi parler de ton expérience avec ta fille, peut-être, pour si elle joue un petit peu ou pas, ou peut-être pas encore. Carrément, alors elle fait pas que ça, hein, parce qu'elle a 8 ans, la mienne. Ouais. Elle y passe du temps, ouais, elle aime bien. Alors elle est plus, tu sais, jeux tablette, ou elle a une Switch et une DS, elle préfère jouer à la DS, tu vois. Enfin, elle est chelou. D'accord. mais la Switch, par exemple, on essaie d'y jouer à deux et tout, quoi, tu vois. C'est sympa, c'est vraiment marrant, quoi. Puis bon, je sens qu'elle est encore jeune, tu vois, donc peut-être plus tard, elle ira là-dedans ou pas, mais en fait, c'est pas grave, tu vois. Si elle aime, tant mieux. Si elle aime pas, tant pis. Tu vois, c'est pas. Ouais, c'est pas un critère de. Non, oui, non, voilà, non. C'est pas un critère obligatoire, ouais. Non. C'est pas. Juste, voilà, c'est bien de le voir comme ça, parce qu'en plus, il y a des gamins qui vont jamais vers le jeu vidéo, c'est pas leur truc. Ah voilà, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ils vont jouer gamin, et puis après, ça passe. C'est une période. Hein, c'est un peu comme nous quand on était môme. On avait des cabanes dans les bois et on arrêtait. C'est mes gamins qui m'y ont remis, en fait. Ouais, c'est tes gamins qui t'y ont remis. Ouais, bah ouais, bien, parce ça. Qu'après, après, quand la vie fait que j'ai pas eu le temps d'y rester depuis la PS1, j'ai arrêté, quoi. Tu vois, toi, t'as vécu l'inverse, quoi, en fait. Plutôt, c'est plutôt tes gamins, voilà, qui t'ont redonné goût aux jeux vidéo. D'accord. Et avec Liam, mon grand, là, on joue à GTA sur la PS1, tu sais, quand tu klaxonnais, il y a des filles qui montaient dans la voiture, là. Ah ouais. Carrément. Ah, putain, et avec ça, on t'a pris bon, des questions. Ouais. Bonne entrée en matière, GTA et ses prostituées. C'est bien, 10 ans. Quand il était parti dans la voiture, ton gamin n'arrête pas de klaxonner, d'ailleurs. Mais ça a dû le traumatiser parce qu'il passe pas son permis. Ah bah tu vois, tu l'as traumatisé. Bah voilà, bravo. Hein, bah voilà. Il passe pas son permis, il s'en fout, il veut pas de voiture. Ah mais je sais pas si c'est sorti en quelle année, San Andreas. Oula, San Andreas, 2000, tu nous poses une colle là, on va regarder. Hop. Date de sortie. 2000. Ce fameux, je sais plus. J'irai entre 2005 et. Ouais, facile, ouais. Alors, San Andreas, c'est un... Que... Non, c'est... 2002, peut-être. Ouais, 2002, voilà, parce que moi, il me donne le 2002, film, là, bien vu. Google. Ouais, non, point, San Andreas, la faille, avec donc, Dwayne. Il doit avoir 5-6 ans quand tu vois ça. Des pires films du monde, en plus. The Rock. The Rock, dans toute sa splendeur. Ouais, il doit avoir 5-6 ans quand tu vois 5-6 ça. Ans quand c'est sorti, ouais. Ah ouais. C'est... San Andreas, putain, ouais, j'en ai fait du BMX sur ce jeu. Ah, le fameux BMX. Qu'est-ce qu'on a klaxonné? Les courses au BMX. Il fallait se muscler avec ton perso et tout. C'était toute une histoire, carrément. San Andreas. C'est ça. Et la zone 51, ça vous rappelle un truc aussi, la zone 51? Ah oui, Tout le monde l'a visité avec le... Ça, ah ouais. Ah, on prenait le truc qui décolle, là, et puis on allait là-bas, quoi. C'était n'importe quoi. C'était la vraie vie, ça, tu vois. Ça, c'est vrai que là... C'était l'aventure. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo te permet de passer du temps et de comprendre un peu le fonctionnement de tes gamins, tu vois, en jouant. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai que ça permet de les... Oui.
De les regarder sous une autre facette. Comme il... Alors, si tout le monde qui fait monter que des putains de bagnoles, il va finir détraqué en fait. C'est clair. Il y a des chances. Ça dépend où il fait des études en Italie et puis devient Mac. C'est bon, ça marche. Moi, ça, je le vois avec beaucoup. On fait beaucoup de jeux de société, tu sais, de jeux de plateau. Et quand elle joue avec nous ou quoi, c'est vrai que tu vois sa personnalité, elle se révèle direct en fait. Les jeux vidéo a remplacé un peu les jeux de plateau en fait. Mais carrément. Ouais, c'est la même chose dans les jeux vidéo, elle a le même comportement. Ouais. C'est marrant. Je confirme totalement ce que tu dis parce que j'ai donc mes petits neveux, parce qu'il y en a deux en plus, nièce et neveu, qui adorent les jeux de plateau parce que les parents les ont habitués. Donc ils jouent beaucoup aux jeux de plateau ensemble. Et dès qu'on joue avec eux, tu sens effectivement que l'autre c'est un petit peu un malin. Que lui, il est presque trop honnête. Tu vois, c'est excellent. T'as l'air rageux. T'as l'air rageux. T'as les tricheurs invétérés aussi, parce que moi, je sais que j'avais un frangin quand on était petit. On avait à peu près le même âge, gamin. Et c'est pas mon demi-frère, vraiment. C'est mon vrai frère, celui-là. Et, enfin, de sang, on va dire. Voilà. Et on avait à peu près le même âge, gamin. Et quand on jouait à ça, je voyais tout de suite qu'il essayait de tricher, prendre de l'argent dans la banque, machin. Ça n'arrêtait pas. Pierre, d'ailleurs. Depuis en prison. Je le savais. Je t'ai vu faire. Bon, voilà. Pierre, d'ailleurs, si tu nous regardes de la prison. Ah non, il n'est pas en prison, il a sa maison, il est installé, il a très bien tourné, tout va bien, je vous rassure. Ça, faut que tu fasses gaffe aux biscuits puis aux bonbons chez toi parce qu'ils risquent d'en chipper ou d'aller en chercher en cachette. Moi, ils sont sous scellés. Ok. Oh là, je connais la situation. Le coup. Hein. Moi, j'ai verrouillé le frigidaire et l'armoire complètement avec un cadenas parce qu'oublie ça. Là. Sinon, ils sont tout le temps rendus là. Ah non, je pourrais jamais faire ça parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu un pote à moi qui avait ses parents. Dès qu'il était passage, il lui reprenait ses cadeaux de Noël. Et ça m'a tellement traumatisé, je pourrais jamais bloquer l'accès de quoi que ce soit à des gamins, je m'en voudrais trop. Je m'en voudrais trop. Moi, j'ai pas le choix hein, parce que je les ai pas mis en train de fouiller dans le sucre ou la cassonade en dessous du lit. Il y avait des montagnes de sucre en dessous de leur lit. Là. C'est pas pareil. Ah ouais, là, c'est pas pareil. Tu as des circonstances atténuantes. Tu as des circonstances atténuantes. Et Auro, par rapport à tes enfants, toi, l'expérience de jeu, on peut dire que pour l'instant, elle n'est pas trop. Lui, il a subi. Non, moi, j'en ai deux. Donc, j'ai eu une qui est à ma femme, qui appartient, j'allais dire, mais elle en a déjà eu une avant, qui a 8 comme ans. Comme tout à l'heure avec le truc du donc, présentement, j'en ai deux, comme dirait Coca. Et j'ai un enfant en bas âge, donc lui. Mais j'espère bien jouer aux jeux vidéo avec lui. Ça, moi, c'est un. Je te le souhaite, pour vrai, parce que c'est important. Ça fait des liens familiaux super importants. Ouais, moi, je m'en rappelle toute ma vie avec mon papa. Là. Ça, c'est des trucs qui marquent même en point sur un fait, c'est que le jeu vidéo, comme le jeu de plateau d'ailleurs, ça révèle des facettes de la personnalité de l'enfant. C'est énorme. Ouais, et moi, d'ailleurs, j'ai une tricheuse, j'ai une mauvaise joueuse, et ça me fait rire. Ça me fait rire. Quand on la voit pas du tout comme ça. Et elle est très pugnace en plus. Ça va être une bonne vendeuse. Tu me diras qu'elle va avoir 18 ans, puis on l'engage. Voilà. Et pour en revenir, l'adéquation entre le jeu vidéo, enfin, le gamer, on va dire, et la vie de famille, c'est vrai que c'est compliqué quand on a des enfants, quand même, de se dégager du temps. Pour pouvoir jouer. Et c'est quand même... Est-ce que je peux faire une parenthèse avec ce que tu dis? Parce que je trouve ça vraiment intéressant, la corrélation que tu fais avec gamer et les enfants. Tu sais, moi, il y a deux raisons pourquoi je joue à Diablo et Hearthstone. Diablo, c'est quand j'ai vraiment beaucoup de temps devant moi, parce que c'est un jeu qui est plus prenant. Jouer à un mode qui s'appelle Hardcore. Donc, si tu meurs, ton personnage meurt aussi. Tu perds beaucoup de temps. Mais par contre, à Hearthstone, c'est un jeu où est-ce que c'est du tour par tour. Hein? Donc, on fait notre tour, on a une période de temps qui est équivalente pour l'opposant. Fait que ça me permet de parler avec ma conjointe, de passer du temps avec les enfants, même d'être capable de communiquer avec eux puis d'avoir des conversations sensées sans être trop pris dans mon jeu. Fait que pour moi, ça a été un jeu qui m'a beaucoup aidé. Là. Aussitôt que ma blonde est tombée enceinte, je suis tombé en amour avec ce jeu-là pour cette raison-là en particulier. D'accord. Ah ouais, ça t'a permis de pouvoir effectivement passer du temps sur certains jeux et d'autres moins. C'est bien oui. Parce que jouer pour moi, c'est essentiel. C'est une méditation pour moi de passer du temps sur les jeux. J'en ai besoin, là, comme une drogue. Ça me calme, ça me maintient en vie. C'est plus qu'un jeu, c'est une façon de vivre. Oui.
Alors moi, je voudrais rebondir là-dessus, justement, parce que j'espère que mon gamin va... J'espère que mon gamin va jouer aux jeux vidéo avec moi, mais je me comprends. Donc j'espère que mon gamin va jouer aux jeux vidéo, mais qu'il va pas être addict quand même, parce que je vois il y a quand même des gamins qui passent un certain temps et ça me dérange. Mais par contre, je trouve tellement que le jeu vidéo peut amener quelque chose pour le développement du gamin. Hein. Il y a des jeux vidéo qui mérite le respect, on va dire, parce que ça te fait vraiment réfléchir. Est-ce de trouver des jeux vidéo éducatifs? Bien sûr. Oui, exactement. Il y a vraiment des jeux vidéo qui éduquent. Mm-hmm. Pas la grande majorité, mais il y a quand même des pépites. Mais même mm-hmm. dans ceux qui sont mainstream, il y a toujours quelque chose à retenir qui va aider plus ou moins d'une espèce d'évolution. Ouais. Merci Lolo. C'est la tour, la coop, la fin du tour. Mais tout à fait, ça l'aide à apprendre tout ça, effectivement. Ouais, ouais. Ah non, c'est... Ah oui, non, c'est Gambil, Fossi, excusez-moi, hein, je vous ai... Ah mais tu t'as offert un sub à Gambil, bah, merci Lolo, c'est gentil, voilà, pardon. Oh, bah, c'est cool. Je tenais à le relever quand même. Et offert... Ah oui, d'accord. Et t'as offert... Ouais, t'as fait une vague, là. D'accord, il est fou, il a pété les plombs. Allez, continue. Mais pour revenir à ce qu'on disait, moi, j'ai une petite parenthèse de plus à vous faire. On utilise le jeu vidéo comme une méthode d'apprentissage au niveau de l'école de notre côté. Ma conjointe fait l'école à la maison parce que la maternelle, la première année, tout ça, on a décidé de le faire à la maison. Puis mon plus vieux commence l'école, il est en première année. Puis ce qu'on fait avec lui, c'est qu'on lui fait faire de la lecture, des mathématiques. Puis à chaque fois qu'il réussit à faire son objectif dans son étude, il a le droit à un certain nombre de temps qui est calculé pour jouer à des jeux vidéo. Donc pour lui, il fait son temps, par exemple une heure de jeux vidéo pour 3 pages de mathématiques. Puis il veut en refaire, il veut refaire de l'école pour avoir le droit à avoir plus de temps dans ses jeux vidéo. Fait que nous autres, on utilise ce tremplin-là comme une méthode d'apprentissage. Ouais, c'était quoi cool. La carotte? Ah, chez nous, on appelle ça le bâton à la carotte. Ben, c'est le même principe. Puis ça fonctionne très bien. Hein. Tu sais, il est super heureux de ça, c'est donnant-donnant. Et alors, quand il ne fait pas ses devoirs, c'est quoi le bâton chez vous? Comment? Alors, quand il ne fait pas ses devoirs, c'est quoi le bâton chez vous? je t'avoue que c'est rare qu'il ne fait pas ses devoirs ou ses choses parce qu'il est très motivé par cette façon-là. Il est très motivé par le bâton, en fait. Je ne sais pas ce que c'est le bâton, mais à mon avis, il doit... Non, mais plus que le bâton. Est-ce que, c'est une bonne, c'est une bonne solution d'apprentissage, je trouve. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, complètement. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui marche bien aussi en France, tout à fait. Ouais. Tu sais, en même temps, là, c'est pas tout le monde qui fait l'école à la maison, mais je veux dire, si quelqu'un a des devoirs, des études à faire, on peut motiver nos jeunes en faisant ça. Là. Ouais. C'est vrai. Carrément. C'est pas bête, ouais. Ouais, surtout que Nerox va sûrement avoir des enfants dans pas longtemps. Félicitations. J'ai déjà la maison. Ouais, la maison, il manque plus que le chat. Il manque plus que le chat, et normalement. Le gamin, non, le chat, je l'ai. Le chat, je l'ai déjà. Ah, bah le chat, je l'ai déjà. Ah, bah ouais. Moi, je suis pour Noël, à mon avis. Il faut le chat et le chien. Ouais, parce qu'avec le chat et le chien, là, c'est tout le temps les discords entre les deux. Puis ça t'habitue à gérer les discords. Ouais, c'est ça. Moi, je fais que, semblant de les faire, moi. C'est tout. Pas de détails. Faites l'amour, pas la guerre, en même temps, il n'a pas tort. Alors, du coup... Ouais, c'est qu'il a besoin de beaucoup de pratique pour réussir, c'est tout. Eh ben, c'est du propre. Bon, du coup, bah, on va peut-être passer à la suite des événements, messieurs. Bah ouais. Et on va faire tout de suite une petite présentation de notre invité avant de passer à l'interview du Casual Suspect. Ok. Bon, là, j'en ai assez. On va faire une première run. Donc, je vous le dis, le prochain Grid Tier qu'on va faire, ça va être un 100. Là, on va partir le concours de points. Donc, premier challenge.
premier contest. Ça s'appelle comme ça. Celle-là. C'est facile, celle-là. Là. Si vous voulez gagner des points, là, c'est le temps, là. On pogne un casque. On va peut-être pouvoir le remplacer. Des pants. J'ai l'impression de jouer comme un pied, man. Mais au moins, j'ai vraiment trippé. J'aime ça. J'ai l'impression de jouer comme un pied, man. Mais au moins, j'ai vraiment trippé. J'aime ça. Avoir des conversations de même. Apprendre à vous connaître un peu, puis... Ça me fait m'évader, man. C'est un petit peu ma thérapie, ma méditation avec tout ce qui se passe, là. De passer du temps avec la communauté, là. Ça me fait du bien, pour vrai. Je trouve ça rough, man. Je trouve ça rough, ce qui se passe. Bon, back in the game. Ils donnent pas les souffles, eux autres? Pourquoi il a pas donné de souffle? Voyons. Tu veux aller voir là-dedans? On va aller voir dedans. Il me reste pas beaucoup de cartes là, tu sais. Il me reste juste des tours 1, fait que 7 cartes à piger. Il va falloir que ça se termine rapidement, chat. Sinon, on va être dans le trouble. Fait que c'est T-Y-S-U-X-Q. On a vraiment qui dit ça. Hein. Si c'était le marron, c'était aussi le rouge. C'est... Elle est intéressante, cette info, je trouve. Hey, sérieux, c'est quoi son problème? Moi, je vote pour le marron. Tout le monde m'a queue, ce gosse. Hein? Bah, moi, j'étais avec Kelly. J'étais avec Kelly, je te soutiens. Je te soutiens, mon amour. Merci. Non, moi, je vous ai tous croisés à l'électricité, il me semble, donc à part le rouge, il me semble. Le rouge ou le blanc, je sais pas. Le rouge est suspect. Le rouge est très suspect, ouais. Le rouge, un peu. Mais non. Au début, oui. Je le suspectais vraiment beaucoup au début. Pourquoi? Parce qu'il est rouge. Ah, ok, la couleur, en fait. Ça y est, c'est toi que je suspecte maintenant. Tu sais, on parle des arguments de feu des fois, là, Coco. Là. Il est rouge, fait qu'il fait confiance. Non, mais j'ai été proche, puis j'ai eu peur. Ça, c'est pas... Non, mais j'ai eu peur. Jouer. Ben oui, mais tu crois que c'est un jeu de 30 secondes, là, comme on attend 2 secondes de plus. Moi, je sais pas où y aller, là. Oups. Je crève tout le temps au début. Astique, colisse de merde. Sinon, il n'y aura pas de retour audio. Et nous revoilà. Et bah, après cette magnifique présentation, hein, franchement, on peut le dire. C'était vraiment... on a vu que tu pouvais jouer à tout. Voilà. Là, on s'en rend compte, je trouve. Calme. Ben, merci. C'est vrai. Non, j'aime ça, les jeux de stratégie. Moi, si je peux gagner, je vais le faire. C'est ça, j'essaie. Alors du coup, là je vais te poser, en fait on est dans le moment de l'interview, donc du coup on va un peu plus parler de toi. Donc qu'est-ce qui te passionne dans la vie, à part les jeux vidéo, ou alors juste dans les jeux vidéo, dis-nous si tu as d'autres passions, d'autres choses qui te font vibrer. Ah bah oui, j'ai beaucoup de passions. En fait, j'ai passé par plusieurs passions dans ma vie. Je vais vous énumérer rapidement un petit peu mes passions qui ont fait partie maintenant de mon identité. J'ai fait des combats ultimes pendant 7 ans. Donc, du MMA, pour ceux qui le voient en anglais. Oui, j'ai été combattant, je me suis rendu jusqu'au professionnel.
Puis j'ai arrêté là, parce que c'était trop difficile pour mon corps et moi-même. Ça a été une de mes grosses passions durant mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Après ça, la musique, ça a été important pour moi. J'ai été DJ aussi dans les bars pendant de nombreuses années. Mais c'est ça, ça, c'est fini ce temps-là. Je ne veux plus toucher à ça. Puis, par la suite... De... Pardon? Le tout côté DJ, là, c'était au Canada ou... Oui, tout à fait, au Canada. Là, c'était dans les bars locales ici, dans la ville où est-ce que je restais. Là. C'était une job plus étudiante et pour bon, combler les fins de mois, si on veut, là, parce que les gens sont généreux dans les bars quand ils sont sous, hein, c'est plus facile. Oui, ils sont moins difficiles, quoi. Oui, oui. Mais non, j'ai adoré ce bout-là de ma vie. Ça m'a forgé un caractère qui est combatif maintenant. Bref, ça a été dans mes passions. Maintenant, ce qui me passionne réellement, puis je pense que tout le monde pourrait en profiter si les gens passent un petit peu de temps à faire ça, c'est ma passion d'être autosuffisant dans la vie. J'ai un rêve, puis mon rêve, je veux être riche, mais je veux pas être riche avec l'argent. Je veux être riche en n'ayant aucune dépense. Ce que je veux dire, c'est avoir des panneaux solaires, par exemple, pour combler mon électricité. Chauffer avec un poêle au bois pour chauffer tout l'hiver. Avoir des jardins pour être autosuffisant au niveau de la nourriture. J'ai même des poulets à la maison là, que j'abats pour la nourriture. Des œufs qu'on va chercher à tous les matins également. Fait que c'est vraiment une grosse passion pour moi. Là. J'aimerais ça être autosuffisant, de ne pas avoir besoin de personne d'autre que ma petite famille et moi-même pour réussir à combler ma vie. Ça, c'est ma plus grosse passion, ouais. Roro, pardon, on n'a pas entendu. Je disais, en tout cas, c'est très louable. C'est un sacré choix de vie. Ah, mais c'est gentil. Mais pour vrai, c'est pas facile, hein, en 2020, d'être autosuffisant parce qu'on est dépendant d'un peu de tout ce qui se passe autour de nous. Hein. Tu sais, je commence par parler des jeux vidéo. Sans Internet, oublie ça, là, c'est impossible. En 2020, il te faut Internet. Ouais, tu peux pas être non plus autosuffisant en ayant juste une maison au fond des bois, on est d'accord, effectivement, c'est pas possible. Ben non, c'est sûr que non. Ben c'est ça, j'essaie d'être riche, mais d'être riche de façon modeste, d'être riche de façon simple et durable. Effectivement, durable est le bon mot, vraiment. Je trouve que c'est ça qui ressort, et toi tu veux que ça soit pérenne un peu. Mais t'as pas tort, c'est la meilleure liberté ça, de toute façon, effectivement, je suis complètement d'accord, vraiment. En tout cas, je suis chanceux d'avoir fait ces choix-là parce que ça fait plusieurs années que j'ai commencé mon emboîtement vers l'autosuffisance. Puis, tu sais, on vit tous des moments difficiles présentement. Puis, sans ce choix-là, j'aurais été bien mal pris. Fait que, vraiment, là, c'est une belle chance. En tout cas, c'est un bel objectif, effectivement. Parce que, merci. Ouais, bravo. Ouais. C'est courageux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont à leur façon autosuffisants? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont des jardins ou je sais pas quoi? Alors, moi, désolé de te contredire, mais moi j'ai fait le choix contraire. Je veux être consommateur. Lui, c'est un consommateur. Moi, j'ai des poulets à vendre. Si tu veux, je t'envoie des poulets. Non, c'est une joke. C'est grâce à des gens comme moi que tu peux t'enrichir aussi. Ah oui, voilà, tout à fait. mais je suis content de pouvoir voir grandir mes enfants. Tu sais, je veux dire, j'ai un beau terrain, je reste en campagne. Puis tous les matins, on va prendre notre marche à travers les sentiers, dans notre champ, avec les arbres. J'ai des pommiers un peu partout. J'ai des framboisiers, j'ai des fraisiers, j'ai des vignes. J'ai un petit peu tout sur mon terrain. Des arbres à fruits, des petits arbustes à fruits aussi. Pas juste les légumes, pas juste les jardins. Là. T'as essayé d'avoir un petit peu de diversité à travers tout ça parce que ben, puis c'est le fun. Je vais juste faire une petite parenthèse supplémentaire sur l'autosuffisance. Dans mon coin, il y a des gens qui tentent de faire la même chose, puis de pouvoir faire des échanges avec nos voisins, pouvoir échanger, par exemple, de la viande d'orignal avec de la viande de poulet, faire du troc, un petit peu à l'ancienne. Je trouve ça vraiment intéressant, puis ça amène la proximité. J'ai une question, le copain, c'est pas trop chiant quand même de replanter ces arbres tous les ans à cause de votre climat? Ah, pas du tout. Mais non, pas du tout. Parce qu'il faut s'adapter. Hein. Tu sais, on a un climat qui est un peu plus froid ici, je pense, qu'en France. D'accord, il faut replanter chaque année. D'accord, OK. En fait, c'est pas tout. Hein, parce que les carottes, ils peuvent rester dans la terre tout l'hiver. Puis on peut les cueillir au printemps, puis ils sont encore très bonnes. D'accord. Fait que ça dépend. OK, ça dépend. Ouais, en fait, il faut adapter ton alimentation et tes légumes à ton climat. Ouais, un peu ce que tu peux récolter. D'accord, OK.
Je voulais rebondir sur le fait que nous, en France, c'est difficile de l'autosuffisance, du fait déjà que si tu poses des panneaux solaires, tu ne peux pas consommer ton électricité, tu es obligé de revendre à EDF. Même si tu es propriétaire de ta maison, tu auras toujours des taxes foncières, des taxes d'habitation. Oui, tout à fait. Tu peux plus. Mais nous autres, c'est comme ça. Là. Je veux dire, j'ai mes impôts à payer, j'ai mes taxes à payer, mes choses à payer, là, c'est sûr. Voilà. Là. Mais tout ce que je peux me libérer, j'essaie de le faire. Ah, en France, ça commence à venir, mais c'est pas encore tout à fait ça. Ouais, c'est pas ça. En ce moment, à part construire des grands murs autour de leur maison, ils font pas grand-chose, les gars. Mais je vous lance une idée, là, puis c'est... Écoute, vous en faites ce que vous voulez, là. Mais des jardins internes, ça se fait, hein, à l'intérieur de l'appartement, à l'intérieur de la maison, faire pousser des légumes avec des lampes, c'est très faisable. Tout à fait. Mmh. Ouais, mais après la beurre, on la met où? On ne peut pas tout faire pousser. Mais entre ça et l'alcool, pour moi, il n'y a pas de différence. Hein. Fait que, non, il n'y a pas de problème. Lui, il te met les pieds dedans, mais alors, mais volontairement. Hey, mais, écoute, j'ai aucun préjugé. Hein. Moi, j'ai vraiment aucun préjugé, puis j'accepte tout le monde tel qu'ils sont. Que vous ayez des problèmes, puis je tiens à le préciser, parce que tu rentres dans un sujet qui me touche. Moi, j'ai le pseudonyme Coca, OK? Pour, je ne sais pas si je peux dire ça à Casu TV, là, mais je suis un ex-cocaïnomane. Puis c'est pour ça que je porte ce nickname-là. J'ai consommé pendant plus de 10 ans de la cocaïne. Ouais. Je suis maintenant sobre, hein, depuis 3 ans, vraiment. Là, je ne touche plus à ça du tout. C'est vrai que DJ, c'est pas facile comme métier. Voilà. Mais ouais, donc ça vient un peu de là. T'as un peu raison. Non, mais tu connais ça. Ça se voit que tu connais ça. Non. Moi, je travaille la nuit le week-end. Alors, ça va. T'inquiète qu'il y va le week-end. Hein. La farine, il connaît. Je dis pas. C'est que Didier, pendant 10 ans, il a revendu de la cocaïne à tous les DJ. Et ça fait 3 ans qu'ils m'ont relâché, lui. Il a payé sa dette à la société, c'est bon, il est clean, hein. C'est bon. Non, mais juste pour revenir à mon histoire, là, je suis vraiment très fier d'avoir passé au travers de ce chemin-là parce que ça m'a amené énormément d'outils. Merci vraiment, c'est apprécié. Mais... Parce que ça a été un dur chemin, hein. Autant pour mes proches que pour moi-même. Là. Fais attention parce que je connais des ex-cocaïnomans aussi. Et d'après ce qu'ils me disent tous, ça revient tous les 10 ans l'envie. Ah ouais, ben je suis encore bon pour 7 ans, c'est correct. Pour le moment, ils ont plus 7 ans. Non, mais après, ils n'ont pas replongé. Mais l'envie revient tous les 10 ans. C'est ce qu'on m'a dit. D'accord. Ben, c'est quand même pas si pire, parce que tous les 10 ans, là, si tu es capable de te retenir une fois aux 10 ans, je pense que tu vas faire ton bout de chemin. Ah oui, après, c'est trop con d'y retomber dedans. C'est plus facile de dire non que de dire oui. Quoi. Mais c'est un peu c'est comme la COP, c'est le même pareil, c'est le même problème. Ouais, c'est ça, c'est donc, ça ce que j'allais dire. On te réinvitera dans 7 ans pour savoir. Tu en as le temps. On veut avoir, savoir où ça en est. On est ton Jap. Juste application des peines. Mais je laisse un message, étant donné que j'ai parlé de mon ex-problème de cocaïne. Là. S'il y a des gens qui sont pris dans un système de consommation extrême, puis que ce soit la nourriture, le sucre, la cigarette ou peu importe, là, n'importe quelle drogue, il y a des moyens de s'en sortir, il y a des gens. Puis la meilleure façon de s'en sortir, c'est de dévoiler au grand jour la vérité, puis le dire à nos proches qui nous aiment réellement. Ils sont là pour nous. Ces gens-là vont vous aider à travers votre dépendance. Là. C'est vos proches qui vont vous sauver. Là. C'est très bien dit. En plus, je voudrais rajouter que les gens se cachent. Et effectivement, tu as raison de le rappeler. Ne vous cachez pas, parce que c'est encore pire. Oui. Affronter le problème, c'est ce qu'il y a de plus simple. Quoi. C'est se mentir à soi-même. Oui. C'est se mentir à soi-même et s'inventer une vie par rapport aux autres. C'est ça le problème. Faut pas c'est non plus... C'est comme si quelqu'un voulait se démarquer de quelque chose tout seul, quoi. Mais c'est carrément. Pas le truc à faire. C'est pas le truc à faire, faut pas s'enfermer. C'est parce que non, voilà, c'est vraiment, ça va être un enfermement, exactement. 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 C'est un enfermement. C'est qu'au bout d'un moment, on est tellement pris dans cette logique qu'on va même pas en parler. Et la bonne solution, effectivement, c'est au moins appeler les numéros de secours qui existent maintenant. Et sinon, parlez-en à un proche. Voilà. Est-ce que ça vous dérange que je publicise les gens qui m'ont aidé? Parce que j'ai fait affaire avec un site web français pour réussir à m'en sortir. Non, tu peux y aller. Je ne sais pas si vous saviez. J'ai fait affaire avec Psychoactif, qui, moi, j'ai ouvert un journal journalier, que je disais mes états d'esprit, comment que je voyais la chose, ma souffrance, ma peine, etc.
Et un petit peu comme une délivrance, comme un passage à voix écrite, où est-ce que je donnais mon tempérament, je donnais mes émotions, puis je partageais avec des gens qui me soutenaient. Puis ce site web-là qui s'appelle Psychoactif m'a beaucoup aidé à travers mon cheminement. D'accord, okay, site web, donc aidé. Psychoactif, ok, on mettra, le... oui. On mettra l'adresse en description de la vidéo de toute façon, pour les motifs, ben, on essaiera de l'écrire carrément pendant que je parle. Donc normalement, si j'ai bien fait le montage, vous le voyez en ce moment là. Mais ça sera pour la rediff. Merci. Mais c'est normal. Écoute, Mais il y a de l'aide partout. Hein. Demandez voilà, de l'aide, puis vous allez vous faire aider. Oui. Et honnêtement, j'avais une question moi, pour Coca aussi. Vas-y, pardon vas-y, c'est le moment. J'avais une question pour Coca. Moi. Le monde pro de Diablo, comment t'es tombé dedans? Ben écoutez, on devient. Est-ce que je suis professionnel? C'est une question encore que je me pose parce que. À tous les saisons, il faut refaire sa marque dans les leaderboards. Donc, c'est certain qu'il y a des gens... Il faut être bien entouré, premièrement. Il faut avoir une bonne équipe. Puis, en tant que joueur solo, ça a été très difficile pour moi de me classer parce que, prime abord, c'est un jeu d'équipe, Diablo. Puis, quand on se retrouve après un mois de saison tout seul dans son équipe, c'est plus difficile. Mais c'est faisable quand même. Il faut avoir beaucoup de temps. Il faut mettre beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de farming qu'on appelle en anglais. Mais je pense que c'est mon talent de mathématicien, de calculateur, de probabilité, puis de joueur très actif là, qui a fait que j'ai réussi à me classer comme ça. Mais je saurais comment dire, je sais pas, je pense que c'est un petit peu inné pour moi là, d'aller à ce stade-là. Là. Ouais. Ouais, ça a été naturel. Je sais pas comment dire. Tu t'es dit, tu t'es pas dit ouais. Un jour je tryhard le truc pour devenir PGM. Quoi. Non, écoute, je pensais pas devenir un joueur professionnel, mais c'est fun que vous me qualifiez ainsi. Là. Je me vois même pas comme ça encore. Là. Même si j'ai réussi à faire un tournoi top 1 Amérique. Voilà, c'est pour ça qu'on se permet de donner voilà. ce... Désolé, ouais, hein, on m'étonne rien. Ben, hein, on t'a vu faire. Mais je reste très humble. Je reste très humble là-dedans parce que je ne me considère pas encore comme professionnel. Donc, c'est ça. Mais merci, c'est mais en tout cas, c'est ce qu'on voit. On t'a vu jouer faire d'abord. Donc, d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, le tournoi de Madrid de Hearthstone. Tu t'en es très bien sorti, d'ailleurs, apparemment. Hein, je ne sais pas si tu as réussi à te classer ou pas. Tu pourrais. Ah, j'ai pas réussi à me classer. Là. Non, c'est très difficile de pouvoir avoir un classement pour ça. Mais je réessaye. Hein, le tournoi est encore ouvert. Les qualifications sont encore ouvertes. En passant, je fais juste une précision dans ce que tu dis. Je n'ai pas participé au tournoi de Madrid. D'accord. J'ai fait la qualification pour la qualification pour le tournoi de Madrid. D'accord, excuse-moi. Exactement. Autant pour moi. T'as raison de préciser. C'est bien. Est-ce que t'as fait d'autres des tournois sinon? T'en as fait d'autres comme ça? Récemment? Non, j'ai pas eu la chance. C'est quelque chose que j'aspire à faire, mais j'ai pas eu la chance. C'est sûr que la famille, pour moi, c'est prime abord. Donc, il faudrait peut-être un petit peu plus de temps pour devenir à ce niveau-là. Mais je pense qu'avec le temps, ça serait possible. Puis c'est ce que je compte bien faire à toutes les fins de semaine, sauf aujourd'hui, parce qu'il y avait notre émission aujourd'hui que je voulais absolument participer. Mais je vais essayer de me qualifier pour des tournois d'Hearthstone. C'est une priorité pour moi. Là. Ouais. D'accord. OK. Écoute, super. Moi, franchement, j'espère qu'on te verra... Voilà, j'espère qu'on te verra très vite y arriver parce qu'on va être les premiers à te supporter. Carrément. Merci. De ouf. Alors cette semaine... On va sortir les banderoles et tout. On va finir sur une interview thématique. On va faire une interview police pour finir un petit peu. Voilà. Oh, t'as un peu, je mets mes menottes. Ah. Knees on the ground. Bonjour, entrez, installez-vous. Non mais là, on est dans l'église. Là, alors tu veux que je te la fasse vraiment dans une salle de fête de 60 personnes. Hein. Arrêtez de bouger. Ah, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ok, alors non, âge, profession. Non, je plaisante. Donc, du coup, on y va, on est parti pour la petite interview thématique. Alors, depuis quand est-ce que tu sévis en tant que streamer, donc? J'ai commencé le 2 juillet. Le 2 juin, j'ai commencé à streamer. Officiellement, j'ai ouvert mon compte, puis j'ai commencé à streamer, ouais. Le 2 juin 2020. De cette année. D'accord. Ça va, ouais. Tu ne seras pas condamné à une lourde peine, tu n'as pas sévi depuis trop longtemps, c'est bon. Mon cher casual suspect, quel est votre jeu préféré? Ah, c'est dur à dire. De tous les temps ou présentement? Eh bien, en ce moment, on va dire surtout en ce moment. En ce moment? Je vous dirais Diablo.
Je commencerai par ça. Ok, d'accord. Diablo, d'accord, on retient ça. Et du monde entier? Ah, du monde entier? De tous les temps? Sans ça. Laissez-moi y penser un petit peu, là. C'est plus un jeu solo player. Moi, écoute, je suis un fan de science-fiction. Hein. J'ai adoré la série de XCOM. Pour vrai, là, ça a été pour moi un vrai coup de cœur. J'ai passé de nombreuses heures là-dessus. XCOM, d'accord, c'est oui, ça me parle aussi. Ça me rappelle un truc, ça. Eh ben, écoute, très bon choix. Alors, merci. Combien de temps passez-vous, cher Casual Suspect, sur les jeux en moyenne? À peu près 12 heures par jour. D'accord. Ok. Le plus possible. Ça calme. Le plus possible. Ouais. Et la dernière question. Si je pourrais passer 30 heures par jour, je le ferais. Là. Sincèrement, là, si je pourrais tout le temps être là-dessus. Ah ouais. Tu vas manquer de. Spoiler alerte. ouais. Alors, après, il y avait comment t'es venu l'envie de faire des tournois pro, mais en même temps, on a un peu répondu tout à l'heure à cette question, donc on va s'en passer. Et quel est le but du stream pour vous, cher Casual Suspect? Bon, le but du stream, premièrement, ça vient d'un rêve de jeunesse, d'un rêve d'enfant, comme je mentionnais plus tôt. J'aimerais ça réussir ma vie, pas seulement par le stream, mais que le stream contribue à me faire assez de revenus pour faire vivre ma famille, pouvoir aider mes proches à la limite si je réussis à faire trop d'argent, puis même pouvoir peut-être aider des gens défavorisés avec ça. T'sais, si un jour je deviens ultra riche avec le streaming, ça me ferait plaisir d'en partager ma fortune. Mais principalement, ça serait de bien vivre, puis surtout de travailler avec une passion. Une vraie passion, là. C'est quelque chose qui a marqué ma vie dès mon jeune âge, là. C'est, si je peux vivre ma vie avec ça, là, ça serait inespéré. Ça serait vraiment, vraiment parfait. C'est ce que je te souhaite, effectivement. C'est vraiment le pire que je peux te souhaiter. Calme. Merci d'avoir joué le jeu pour cette interview police. Ça fait tellement plaisir. Voilà, avec le petit générique de New York Sens pour finir. Alors, et comme on a un peu de temps cette semaine et puis qu'on a envie de le faire depuis un petit moment, on va passer un truc qu'on n'a jamais fait. On va passer à des questions d'équipe. Donc en fait, on a prévu deux équipes. Voilà. Okay. Et enfin, prévu. On a fomenté l'idée d'avoir deux équipes. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors déjà, on avait pensé à l'équipe Rurti qui allait choisir deux personnes et à l'équipe, j'hésitais entre Didier et Nerox, mais on va dire Didier, allez, équipe Didier, et tu choisis deux personnes aussi. Voilà, mettez-vous d'accord. Alors à l'équipe bleue, l'équipe rouge, et c'est parti. Et je vais changer la couleur des noms. Je commence, allez, je vais prendre, je vais prendre la butée Coca. Voilà. Ouais, moi je vais prendre Tom. Tiens. Yo. Alors attendez, je vous passe. Alors, attends, je passe. Ouais, les voisins. Voilà. Propriété, je vais mettre les noms en rouge pour que tout le monde s'y retrouve en fait en attendant. Voilà. Et après, je prends le Rox parce qu'il est là. Je connais. Avec Roro, tu es mal parti. Il est là, Roro. Roro, il est là, Roro. T'es là, Roro? Ah non, il est bon. Ah, je t'ai douté, là. Bande de Est-ce qu'on gagne des points dans ce temps-là ou... Oui, tout à fait, on va noter les points. On va noter les points, tout à fait, exactement. Et en fait, on va faire trois sessions, sûrement avec les mêmes équipes, et on verra le vainqueur. Donc, on aura une session par invité. Voilà, donc du coup, on verra un peu qui va gagner au final, sachant que ça sera toujours les mêmes équipes avec l'invité qui rejoindra la même équipe à chaque fois. Voilà. Donc partez bien les rouges parce que après sinon les autres invités sont dans la merde. Je suis en train de recolorier encore. Excusez, on a un petit peu de temps donc c'est bon. On était un peu en avance grâce. Est-ce que vous me laissez deux petites minutes? Je vous reviens. Ah bien sûr. Pas de souci quoi. Du coup les rouges c'est qui? C'est mon équipe ou c'est l'équipe à Didier? Alors les rouges c'est ton équipe. Ok. Alors, c'est bon, j'ai mis qu'il fallait, c'est bon? Ah, non. Oui, tout va bien, oui. J'espère que tu as confiance en moi, là. Alors, et on a Roro, là, en bas, qui sera donc avec les bleus. Donc, les bleus, et sur fond noir, c'est vrai que ce bleu-là, c'est parfait. On va rien voir. Je le change de couleur juste en bleu plus clair pour qu'on le voit. Voilà. Mais remarque, même vous, on voit pas super bien. Hein. C'est pas un très bon choix de couleur, ça. Vu qu'on lui a donné deux secondes, on va se donner du temps pour organiser tout ça. Allez, hop. Et comment on fait pour répondre? On n'a pas de buzzer. Je vais vous raconter une petite
petite blague canadienne, si vous voulez. C'est chez les pompiers là-bas. Un pompier et sa femme, et donc il lui donne un petit comme un mode d'emploi pour la nuit. Comme c'est un pompier, il lui dit bon, c'est bon, c'est bon. Moi j'ai un faire comme à la caserne. Pardon. On va faire comme à la caserne. Sirène 1, tu te déshabilles. Sirène 2, tu sautes dans le lit. Sirène 3, on y va pour la nuit. Donc le soir venu, il hurle dans la maison, sirène 1. Donc là, sa femme s'est dévêtie, sirène 2, elle plonge dans le lit, sirène 3, et ils se mettent en action. Donc après deux minutes d'activité, il y a sa femme qui hurle, sirène 4. Et lui, il s'arrête tout de suite, c'est quoi la sirène 4? Et elle, c'est, rajoute du tuyau, t'es trop court. Ouais, est-ce que je peux être en équipe avec ma poule? Parce que j'ai amené ma poule devant le stream. Là. J'ai une poule bah, devant génial! Génial! C'est parfait ça! Alors, donc, okay. Du coup, on va mettre aussi. Alors, je vais rajouter simplement un verre. C'est quoi ton petit nom? Ah, elle s'appelle Île, comme les îles. Comme les îles Mokmok ou les îles, je sais pas. Ah, quoi. Ok. Je crois qu'elle s'appelle Mardi, parce qu'elle sera bouffée mardi. En fait, elle s'appelle Mardi parce qu'elle sera bouffée mardi, elle. Oh là là! Il sort. Alors, il. Donc, d'accord, c'est I-L-E, c'est ça, on est d'accord. Hein. C'est nickel. I-L-E-S-E, en tout cas, quelque chose comme ça, comme les îles. Ouais, ah, I-L-E-S. 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 I-L-E-S-S, d'accord. Mais écoute, c'est parti. Hop. Coca, ça se fait comme ça, c'est un œuf, par exemple. Ça me fait un coco, je vous le donne, je vous l'enverrai. Ouais, c'est parfait, ça. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Oh, il n'y a pas alors... de problème. Je pense pas qu'elle va chialer. Ah, bon, c'est pas ça, alors. Allez, c'est parti. Voilà, tous les deux au même endroit. Et c'est parti. Donc, du coup, alors, les bleus contre les rouges. Si vous avez... En gros, si vous vous parlez dessus... ça va être compliqué, donc essayez de respecter la première personne qui va parler en premier, tant pis hein, si c'est pas. Ouais, possible. On crie la couleur d'abord, on crie bleu ou rouge. Allez. Allez. Ok, d'accord. Ok, c'est ok, partant. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, et si la réponse c'est bleu ou rouge? Je suis rouge, moi. Non, t'es bleu, t'es rouge. Non, t'es bleu, Roro. T'es avec moi. T'es bleu, Roro, t'es bleu, t'es bleu. Et c'est rouge. Bleu, bleu. Et celui-lui, il est bleu, on fait comment? Alors, du coup... Alors, la première question. Bleu. Allez. Alors. De quel célèbre chanteur George Michael a-t-il acheté le piano aux enchères? Bleu. Vas-y. Mozart. Très mauvaise réponse. Et aux dernières questions, on enlèvera des points en mauvaise réponse, donc méfie-toi quand même. Donc non, vous savez pas. J'irais Elton John, moi. Bon. Moi j'aurais dit. Non. Ah ouais, Elton John. Ah, mais... Non, du tout, excusez-moi. Mais il y avait moi, ce qu'on l'a dit. Non plus. Ah non. C'est un ancien. Richard. Beatles. Ah, Beatles, okay, merde. Bleu. Vas-y, vas-y. C'est des Beatles, là. Ringo, non, c'est pas Ringo Starr. Non, c'était lequel? Non, il faisait de la batterie Ringo Starr. McCartney. Non, celui qui est... On a le droit qu'on laisse... John Lennon. Bravo, John Lennon, bravo. De quoi? Ah, tu parles beaucoup en plus. En fait, il faudrait limiter le nombre de réponses, on va dire... C'est trop facile. N'empêche, John Lennon, qui en français se prononce Jean le Nain. Jean le Nain. C'était méchant, là. Alors, nom de Jean. Alors, quel est le prénom du président égyptien Moubarak? Bleu. Hosni. Ah non. Bravo, bonne réponse. Ah, c'est Hosni. Belle culture. On va accorder une réponse et après sinon voilà, c'est on pourra ça pas en répéter plusieurs. Ah, non, mais bravo. Non, j'ai rien à dire. Bien joué. Alors, on passe à la question 3. Question 3. Quelle était la victime de la série culte Mystère à Twin Peaks? Twin Peaks. Putain, j'ai pas vu, moi, ça. Sarah Palin. Sarah Connor.
Non, c'est pas Twin Peaks, Sarah Connor. Non, il y, y en a un qui a dit le bon nom de famille, c'est dommage, mais il s'est trompé de prénom, c'est con, hein. Laura Palmer. Ouais, ouais, mais non, les noms de réponses ont été donnés, là, alors, Roro. Ah, dommage. Je peux pas l'accorder, parce que sinon, c'est trop facile. Il y a combien, là? Il y a 2 pour les bleus et 0 pour les rouges. Ah, 0? Oula, ouais, les rouges. Ah, on fait démonter. Coup dur pour l'équipe française. Alors, c'est parti. En sueur. Alors, on va faire un truc un peu... compétiteurs, c'est le top 1, là. Ah ouais, un truc un peu différent, mais je sais pas, je suis pas sûr du coup. Quel nageur américain a remporté 5 médailles aux JO de Séoul? Phelps. Rouge. Rouge, vas-y. Ah. Michael Phelps. Mais non, je l'ai dit. Non. Ah oui, mais t'as pas dit bleu. En plus, j'ai dit une connerie. Oui, t'as dit une connerie. Je confirme, non, donc c'est perdu. C'était Matt Biondi. Ah ouais. Ah merde, non, je connais pas. Lui, je connais pas les remplaçants, moi. Bah, il faut, c'est mieux. Avec quel célèbre humoriste Pierre Palmade a-t-il écrit les majorettes se cachent pour mourir ou un point c'est tout? Rouge. C'est, écoutez, comment ça s'appelle? C'est pas. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est rouge. Elle. Rouge, vas-y. Mordic. Ça marche pas. Désolé, il n'y avait pas de. Non, c'est pas de point bonus. Bon, c'est un peu français comme réponse, excuse-nous. Vous n'avez pas. Hein. C'est moi qui ai pas né à bonne place. Là, écoute, t'as pas des questions sur le garou? Allez, on passe à autre chose, c'était Muriel Robin. Presque garou, hein, t'as vu? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà. Quel célèbre héros d'Hugo Pratt serait né à Malte? Corto Malte. C'est connu. Oh, bleu. Bleu. Corto Malte. Allez, on l'accorde. Allez, 3. Ah, joli. Bravo. Bonne réponse. Ensuite, ça fait dépouter, de quel là. État américain Penelope Cruz et Matthew McConaughey ont-ils fait le tour en caravane durant l'été 2004? Ça vous dit rien? Alors là. Bleu, 23. Je me bolle. L'Aveyron. De quel état américain, en fait, ils ont fait le tour? C'est un état que je veux. Bleu, rouge. Cuba. Hein? Américain. Cuba. La Californie. Rouge, vas-y. Rouge, j'ai pas eu de réponse, rouge. Vas-y, rouge. On a dit, la Californie. Ouais, non, c'était le Texas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas... On a du temps. Alors, vous avez le droit de vous tromper. On a une chance sur 50. Ouais, c'est ça. Ça fait juste, là. Allez, on essaye un truc un petit peu mieux. Allez, quelle reine Béatrix a-t-elle succédé aux Pays-Bas? Ça se parle à tout le monde ou pas? Waouh, la reine Béatrix. Ouais. Clara Morgan. Okay, on passe à la suivante. D'accord, on passe à la suivante. De quel aventurier du cinéma... c'était la réponse était Juliana. De quel aventurier du cinéma Calista Flockhart partage-t-elle la vie? Et c'est assez facile. Bleu. Oui. Ali McBeal. Non, faux. Ah, c'est pas ça que tu veux savoir. Non, en fait, c'est facile, c'est un aventurier connu. C'est vraiment enfin c'est Indiana le nom. Jones. Mais voilà, mais bon, c'est le l'acteur en fait, c'est l'acteur. C'est ah, voilà, bravo. Allez. Personne n'a eu. On repart. Harrison Ford. Quel acteur est le père de Nelly, la fille d'Emmanuel Béard? Quel acteur est la fille de Nelly? Quel acteur est le père de Nelly, la fille? Le père de la fille de... Enfin, je me suis rebouillé en posant la question. Bravo, Mordic, c'est pas mal. Quel acteur est le père de Nelly, la fille d'Emmanuel Béard? Donc le mari d'Emmanuel Béard, en gros. Allez. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est bien fait pour embrouiller les questions, tu sais. Alors du coup, non, personne là, c'est un acteur connu. Non. Bleu, Gérard Depardieu. Non, sérieusement. Yeah, ils sont ensemble dans un film. Jean de Florette, nom des ours. Non, mais tu la mérites pas, hein, tu m'en as tellement sorti avant. Allez, je l'ai dit avant. Allez. T'es nul. Allez, 4. Une question jeu vidéo maintenant, comme ça vous parlera plus. Ah. De quel célèbre jeu vidéo Sam Fisher est-il le héros? Sam Fisher. Rouge me l'a dit avant. Rouge, il l'a dit avant. Splinter Cell. De quoi? Splinter Cell, très bonne réponse. Bravo, très bonne réponse. Merci. Alors, d'aider les rouges. Pour les rouges. Marqué,
Voilà, comme ça vous êtes pas à blanc, les gars. Alors, du coup... on sauve l'honneur. Ensuite, on va continuer avec un truc. Oh, les gars, on lâche rien là, pas pas là. Oh, on lâche rien là. Alors, celle-là, elle va vous parler. C'est cinéma. Ah. Hein, je vais vous dire un peu les thèmes avant maintenant. Ça va vous aider. Eh, salut, un max de bruit. Comment ça va? Bienvenue dans le chat. Ouais. C'était pas ça la question. Quel héros aux yeux bleus, perdu loin de sa maison, a fêté son 20e anniversaire au début des années 2000? Et loin de sa son maison. Combien? Quel héros aux yeux bleus, un seul. Héros aux yeux bleus, perdu loin de sa maison, fête son 20e anniversaire au début des années de l'Oasi. Iti. Bravo. Oh, bien joué. Wow. Elle était bien celle-là, hein, au moins elle était moins de rigoler. J'aurais dit Tintin, mais... on va rester dans la thématique comme ça, parce que je sens que vous êtes beaucoup plus performant là-dedans. Alors, quel est le grade du célèbre Colombo, héros de la série à son nom? Lieutenant. Lieutenant bleu. Ah, bleu lieutenant, bravo. Non, lieutenant, merde. Ah, non, c'est lieutenant, c'est lieutenant, hein, je suis désolé. C'est dur. Alors, quel cow-boy, héros d'une série de BD à son nom, est surnommé le pacificateur? Rouge. Rouge. C'est pas Luc Luc. Non. Elle aura deux réponses, c'est rouge. Elle, celle-là, elle est dure. Hein. Celle-là, elle est dure. Huckleberry, non. Non, Huckleberry, c'est là. Non, je le vois, il a un grand chapeau plat, là. Comment il s'appelle? Définitivement non. Moi, j'ai John quelque chose en tête, là, mais... John, je sais pas, là. C'est Durango. John le rouge. Voilà, ah, c'était dur, c'était très dur, je trouve. Sur ce une marque de capote. Putain, il a le nom de la crise. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Allez, toujours dans, dans les séries, dans le style série. Dans la série Friends, dans la série Friends, qui épouse Monica? Alors, bleu, Chandler. Bravo, très bonne réponse. 7, ah, il vous enterre là. Alors, ouais, grave. À quel personnage culte des jeux vidéo Angelina Jolie a-t-elle donné sa forme humaine? Lara Croft, bleu, rouge, rouge. Ah ouais, rouge. Ah, il a dit rouge, il a dit rouge. Il fallait dire la couleur d'abord, mais Lara Croft. Non, non. Il l'a dit après. Non, mais attends, j'arrive pas à savoir là. Allez, bon, allez, on l'accorde rouge. Allez, on l'accorde rouge, ça fait deux. Allez, allez, on l'accorde rouge. Si, si, si. Si, si, si. Si t'aurais dû dire bleu, t'es puni. Putain, voilà, c'est... T'es puni, puis c'est tout. Voilà. Allez, au coin. Putain, allez, c'est bon. Non, mais non. Mais c'est non, qui mais qui le dit, là? Non, moi, je sais, moi, je le sais. C'est pas grave, Didier. Quand et on ça y est, on a donné la réponse, c'est bon. But de pavard. Justement, en parlant de ça, quel est le prénom du célèbre footballeur Cissé? Djibril, rouge. Oui. Djibril. Mais tu dis pas la couleur, j'ai pas le droit de te l'accorder. Mais je le dis après, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Mais en plus, tu sais que c'est moi, putain. Je leur permets de remonter. Je vais remonter un peu. Ah, allez, ça va, on aura un point bonus. De toute façon, je tiens à rappeler qu'à la fin, il va y avoir un banco total où en fait, on peut tout perdre et tout gagner. Donc, vous avez tout gagné. Voilà. Vous affolez pas, vous n'avez pas perdu. Alors, dans quelle série Jack Bauer sauve-t-il le président des États-Unis? Bleu, oh, je sais, rouge. J'ai entendu bleu, j'ai entendu bleu d'abord, les gars. Allez-y. 24 heures. 24 heures. Mais quoi? Il n'a pas de vote complet. 24 heures. Ah bah non, ouais. On est dans un... Dis donc, on va pas commencer à être sympa, c'est une bonne émane. Attends, ouais, j'ai pas le droit, moi. Vu le passé, je vais pas aller à Québec pour y mettre une tarte. Hein. Alors, on va partir sur une question, allez, sur un truc encore un sinoche un peu, tu vois. Qui est le jeune héros passionné de jeux vidéo mis en scène par Midam dans Alien Chantilly? Putain, c'est quoi cette question? Excusez-moi, quoi, pardon. Ouais, alors si, en fait, la réponse est simple. La réponse est facile, mais... 42. Midam. Midam, c'est un dessinateur. Piano. Non, c'est pas. Piano. Alors, c'était Kid Paddle. Ah, voilà. Kid Paddle. Ah, non, trop tard. On a pu dire la couleur, dit-il. Ah non, putain, non. Non, non, mais là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, Je suis d'accord. Là, quel est depuis des générations le titre du fils aîné du souverain anglais? Monsieur le soir. Quoi? Le souverain anglais. Ah, rouge. Oui, de. Prince de. Bah, je sais pas, j'allais dire prince. Tu
Tu m'as dit le titre, c'est juste un titre que tu cherches. Alors le titre du film. En même temps, c'est vrai, il a raison, mais c'est un titre, ça fait partie du titre. Ah, mais moi je pensais le statut, le titre. Bah alors, t'as raison, alors. Allez, bleu, chrono. C'est Prince de Galles, en fait. Mais comme il me dit Prince, après, voilà, je peux pas l'accorder, sinon je suis trop gentil. Désolé. Non. Allez, c'est pas grave, non. C'est pas grave. La prochaine. Non. Dans quelle série de. Non, c'est pas possible ça. Quel joueur de foot a présenté Club 9 T'as raison. Alors, le voici quand je pose la question, c'est une bonne idée ça. Quel joueur de foot a présenté Club 9 sa première collection de vêtements en 2004 La réponse de tout à l'heure, les gars. Oui, je sais. T'as la réponse de tout à l'heure. Djibril, t'as dit bleu ? Bleu. Okay. Oui, j'ai dit bleu d'abord. D'accord, ok. Je te l'accorde. Le retour audio, il a dit bleu avant ? J'ai pas entendu. Bah, il avait dit bleu avant ? Non, c'est mon collègue, il me le dit si t'as dit bleu avant ou pas. Voilà, faut que tu sois attentif, là, j'ai besoin de toi. Il y a un tricheur là dans la salle. Quel acteur spécialiste t'essayes. Quel acteur spécialiste de kung-fu est aussi le héros de nombreuses aventures en dessin animé. Rouge. Jackie Chan. Bravo, Jackie Chan, bonne réponse. Très bonne réponse. Tom, t'es bleu. Bah ouais. T'as dit rouge. Merci. Merci Tom. Je suis pas sûr que ce soit lui qui dit rouge, hein. Non, c'est moi qui a dit rouge. Oui, voilà, c'est Coco qui a dit rouge. Ouais, ouais. T'as confondu les voix là, je crois surtout. Parce que j'ai un peu quand je parle l'accent québécois, c'est pour ça. Ah, c'est ça, c'est tout train au fond de toi. Alors ça, c'est vraiment le tour d'autobus skidou bientôt. Le mec, tu viens au Québec, le Tom, là, on fait un tour d'autobus skidou. Ah ouais, direct. Ah ouais, du skidoo, c'est trop bon ça. Je te suivrai en Apex. Alors, on va enchaîner avec que signifient les 6M dont Jean-Pierre Messier s'affublait pour dérision dans son livre G6M.com. C'est pas sexuel ça? Non. Okay. Non, mais c'est vraiment très pédant en tout cas, vous allez voir. Ça a un rapport avec le laxatif ? Vous ne pouvez pas le trouver, en fait. Je suis désolé. En fait, ça correspond à 6M. C'est parce que c'est Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Waouh ! Affligeant. Il est parti loin, monsieur. Ah ouais, voilà. Il est parti loin, le monsieur. Mm-hmm. Allez, un truc un peu plus terre-à-terre ? Allez, voilà. Dans quel album Tintin peut-il mettre en boîte le capitaine Haddock pour la première fois ? Rouge ? Au Pérou ? Vas-y, rouge, pardon, excuse-moi. Alors non, c'est dans quel... Attends. Non, c'est l'album, en fait, qui demande. Ah, ok, ben je les connais pas. Je connais juste un titre, puis c'était l'affaire du Pérou. Que... D'accord, alors ça, c'est Tintin et le Temple du Soleil. Ah, c'est ça. La suite des 7 boules de cristal. D'ailleurs, voilà, j'y connais pas grand-chose, mais voilà, je vais mettre les petits classiques dans Tintin, quand même. On a tous regardé la série sur France 3 quand on a mon âge, en fait. Alors, contre... Ouais, voilà, exactement. T'es déjà trop vieux, gros. Contre quel petit animal de compagnie le jeune Titeuf voudrait-il bien échanger sa petite sœur ? Au cas où ? Un chien. Les enfants. Bleu. Un chien. Un chien bleu. Bleu, un chien. Un alors, chien bleu. Non, c'est un hamster. Rouge. Ah, merde. Ah, on n'a pas le droit de répliquer. Pardon, excuse-moi, tu l'avais peut-être. Excuse-moi, je pensais que personne l'avait, du coup, je suis désolé. Tu savais tu l'avais, quoi? Ben, j'étais pas loin, hein, j'allais dire un rat. Il est honnête. Ah, non, ça marchait pas. Ah, il est plus. Honnête, il a accordé. Allez. Alors, on est à 8 à 5. L'honnêteté paye, sachez-le. Ah non, mais c'est... Non, mais on part pareil. Mais t'inquiète pas, de toute façon, on va aborder. Mais mauvais gagnant, c'est bizarre là. T'as vu, c'est bizarre les mauvais gagnants. Laisse tomber Didier, on a de la marge. À chaque fois, c'est pareil, c'est Coca qui a raison, c'est moi qui passe pour l'assassin. Merci Yannick. Et encore, salut Export Kerox qui nous dit voilà, bonjour, voilà, bonsoir. Bah, écoute, bonjour. Bienvenue à toi. On va partir sur la dernière question. Enfin, on va en faire une banco. D'accord. D'accord. Donc, voilà. Si celui qui gagne, la carotte. La golden carotte, tu la connais celle-là? Oui. La question golden carotte. Ouais.
Alors celle-là, je suis pas mécontent. Alors, quelle avocate du cabinet Gage and Fish donne son nom à une célèbre série télé? Il y en a, il tape sur Internet là, ouais, pour savoir ce que c'est. C'est qui la vilaine tricheuse là? C'est pas bien. Ah mince, moi, c'est pas la bonne catégorie. Oh désolé, pardon. Oh, c'est quoi ça? Alors, il a pas dit tout à l'heure, c'est Ali McBeal, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'as pas dit la couleur. Bleu. Perdu. Bleu, Ali McBeal. Bleu, Ali McBeal. C'est vrai. Allez, donne-y le bleu. Allez, bleu, vas-y, bleu. Tu l'as. Allez, c'est bon, tu l'as. Voilà, t'as gagné, bravo. Allez. Ne t'en pas. Je suis désolé, en fait, on n'était pas en bonne catégorie depuis le départ, donc je plaide coupable. Voilà. apparemment, ça n'a pas empêché quand même de la visite, donc c'est très bien. Merci, Coca, d'avoir fait le relais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, bah, on peut nous retrouver en rediffusion. Cette fois, vous trouverez peut-être le truc à la bonne heure. On le met mardi en rediff à 18h. On vous remercie d'avoir été présent. En tout cas, félicitations aux Bleus, au fait, quand même. Excusez-moi, félicitations. Bravo à vous, GG. Ouais, hein, bravo. Bravo. Je peux pas être bon partout, hein. J'ai gagné un tournoi. Je peux pas être bon partout, hein, désolé. Ouais, non, mais franchement, bravo en tout cas. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre invité. On était content de te recevoir, Coca, c'était un vrai plaisir. On a démarré en avance, on a fini en retard. C'était hot. Non, mais tant mieux. Pour vrai, ça a été un super plaisir pour moi aussi. Je vous adore, puis je conseille à tout le monde de vous suivre. Pour vrai, vous êtes vraiment spécial. Et alors, même pour les gens du Québec qui voudraient, là, c'est excellent. J'annonce qu'on fera une rediff aussi donc en podcast et sur YouTube. Merci, Coca, pour tous ces compliments, t'es trop adorable. Et on aura un vrai réalisateur, pardon, la semaine prochaine, parce que c'est un peu la Bérésina, ouais, pour moi en ce moment de tout gérer. Je sais pas s'il est vrai, mais... en tout cas, il s'est présenté comme. Alors moi, je peux rien dire d'autre. Hein. Si il m'a menti, ouais, mais... c'est pas mon problème. Moi aussi, sur mon CV, j'ai le bac. Oui. Moi aussi, j'ai le bac, hein, il y a quoi. Donc j'affiche quand même le score pour qu'on sache, voilà. Hop. Ah, on les a fumés, gros, on les a fumés. Vainqueur. Désolé, désolé Nerax. J'ai tout donné. Mais non, t'inquiète, je suis pas le meilleur, hein, c'était des questions, ouais. Bon, voilà. Bah, j'étais voilà, compliqué. Vainqueur les bleus. Mais je vais être franc avec vous, il y a moitié des questions que j'avais aucune idée, là. Okay. Ah ouais. Non, mais... Franchement, je vous avoue, les petites cartes, moi je les avais les réponses, mais sans ça, j'aurais pas été très performant non plus, je tiens à vous le dire. Ça, c'est bien vrai. Au bleu, ça m'irait mieux. Ouais. Ah, bah j'en ai. Ah mince, pardon, désolé. Oula, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'ai écrit très vite. Ils ont perdu, ils sont au féminin. Pardon. Voilà. Bah ouais. C'est oui, pardon. C'est comme ça. Excusez-moi. On les appellera les bleus. On sera en bonne catégorie la semaine prochaine. Excusez-moi encore pour cette petite défaillance. On a essayé de gérer beaucoup de choses. Voilà. Et du coup, on vous retrouve donc en podcast sur Casu Le Mag, en podcast sur Casual Suspect et en podcast aussi sur le débrief film qu'on a publié cette semaine. On vous invite à écouter tout ça parce que c'est tout ça, c'est Casu, quoi. Hein. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Il n'y a pas tous ceux que vous avez vus là, mais il y en a une bonne partie sur la majeure partie. Voilà. Et il y en a d'autres et c'est l'occasion de découvrir du monde. Et on vous attend nombreux. La semaine prochaine, je crois qu'on reçoit Zuka, mais. Avant confirmation, on vous confirmera dans la semaine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, messieurs, d'avoir été présents. Ça fait plaisir. Ah bah écoute. Merci tout le monde. Et une bonne semaine à vous. Merci, Coca. Et merci, Coca, d'avoir été là, parce que t'étais vraiment super invité, quoi. Vraiment très sympa de te recevoir. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, ça fait vraiment plaisir, pour vrai. Je vous adore. Bah, pareillement. Nous aussi. Pareillement. Vive le Québec libre. Merci. Il faut, merci. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Je vais retourner à ma chaîne. Merci, tout les amis. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Bon, okay, on a balancé le générique. Voilà. Ciao, les gars. Bonne soirée. Salut, Coca. Bon stream à toi.